sait comment on travaille sur un message. Who knows how to work on a message? Pour travailler sur un message qu'on a écouté, un enseignement qu'on a reçu. You have received. Premièrement, first, on lit et on relit l'enseignement pour bien comprendre. You read and reread the teaching to understand it very well. Ensuite, and on dégage les vérités fondamentales contenues dans l'enseignement. You take out the core truths that you have seen in the teaching. Ensuite, and on transforme ces vérités en impératifs. And you transform this truth into do's. C'est-à-dire en il faut. Into you must. Ensuite, and on définit des délais d'action. And you defined some terms for actions. Il faut que je fasse telle chose dans telle période. I must do such thing in such time. Puis on transforme ces vérités en sujet de prière. Then you reform those truths into prayer topics. Et on prie pour s'établir dans ces vérités. And you pray to settle yourself into that truth. Amen. Amen. Ce travail est nécessaire pour provoquer le réveil personnel. This work is necessary to trigger your personal revival. Beaucoup de frères ne savent pas sortir de la sécheresse spirituelle. Many brothers don't know how to get out from spiritual drought. Beaucoup de frères ne savent pas stopper le déclin spirituel. Many brothers don't know how to stop spiritual decrease. L'année 2017 arrive. The year 2017 is coming. Tu peux décider. You can decide que tu entres dans la nouvelle année sans idole. That you enter the new year without any idols. Tu peux décider. You can decide que tu entreras dans la nouvelle année that avec you are going to enter la plénitude du Saint-Esprit. With the fullness of the Holy Spirit. Là, tu travailles sur le renversement des idoles personnelles. So you work on the overthrowing of your personal idols. Comme le frère a dit, quand tu as écouté un enseignement, as the brother said, when you have listened to a teaching, ou quand tu as lu un livre, or you have read a book, tu dois retenir les principales vérités qui t'ont touché. You must keep the main truth that have moved you. Les gens seront touchés à des niveaux différents. People will be touched, will be moved at different levels. Selon leur âge. According to their years. Leur âge dans la foi. According to their age. Même leur into âge faith, physique. Even their physical age. Selon leurs dons. According to their gifts. Selon leurs appels. According to their calls. Selon leur ministère. According to their ministry. Selon leur sensibilité. According to their sensitiveness. Selon leur champ de bataille. According to their. Selon leur adversité. Of struggles. According to the adversities. Selon les tâches assignées. According to the assigned tasks. On ne peut pas être touché de la même manière. We cannot be moved the same way. On peut écouter un enseignement pendant 100 heures. You can listen to a teaching during 100 hours. Toi, tu peux être touché par 50 vérités. You can be touched by 50 truths. Un autre peut être touché par deux choses seulement. Another one can be moved by only two things. Après avoir recensé les principales vérités, after having underlined the main truths, tu commences à les rendre applicables à ta personne dans des termes impératifs. You start making them applicable to your own life. Si la parole dit le pasteur doit donner la vie pour les bergers. If the word says that the shepherd should give his life for the flock. Transformer ça en impératif veut dire je dois donner ma vie pour les bergers. Tu ne dis plus les pasteurs doivent donner les vies. Tu dis moi je dois donner ma vie. To transform it into must, you must say
I must give my life for the flock. Not no more. The shepherd should give his life for the flock. Et tu rends cela spécifique. And you make it specific. Tu dis, je dois donner ma vie. You say, par exemple, pour désirer. I must give my life for Désiré. Pour qu'il soit sauvé. So that he may be saved. De telle situation. Into such situation. Je dois faire ça demain. I must do that tomorrow. Après tu dis, oh Dieu. And later on you say, oh God. Rends-moi capable. Make me able. Donner ma vie pour le désirer. To give my life for Désiré. Rends-moi capable. Make me able. D'agir à partir de demain matin. To act since tomorrow morning. À 7 heures. At this time. Un homme qui travaille de cette manière va grandir dans la foi. Someone who works that way will grow into his faith. Dans Jacques chapitre 1. In James chapter 1. Verset 22. Verse 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Do not deceive yourselves by just listening to his word. Instead, put it into practice. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Whoever listens to the word but does not put it into practice is like a man who looks in a mirror and sees himself as he is. Et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. He takes a good look at himself and then goes away and at once forgets what he looks like. Écoutez. Listen. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. But those who look closely into the perfect law that set people free, who keep on paying attention to it and do not simply listen and then forget it, but put it into practice, they will be blessed by God in what they do. Donc il y a un art, il y a une science. So there is a science qui consiste à plonger ses regards dans ce qu'on a appris, dans ce qu'on est en train de lire. Which is to plunge your eyes in what you are reading. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. But those who look closely into the perfect law that set people free, who keep on paying attention to it, and do not simply listen and then forget it, but put it into practice, they will be blessed by God in what they do. Il faut, quand on dit plonger les regards là, ça dit il faut relire et relire et relire. When we say you plunge your eyes in it, it means that you look into it closely, you read it and read it again. On médite, on relit, on you réfléchit, meditate, you on reflect, analyse, you analyze, on sonde, you check, on veut comprendre. You want to understand. C'est une telle attitude qui modifie l'entendement. It is this kind of behavior that changes your understanding, l'homme intérieur, and reformed your inner being. C'est une telle attitude qui crée la régénération de notre intelligence. This way of being that creates regeneration of the intelligence. Parce que pour qu'un homme change, because for a man to change, il faut que ses raisons soient renversées. His purposes must be overthrown. Et dit, ne vous trompez pas vous-même. Et ne soyez pas bornés et n'écoutez pas sans obéir. He says, do not deceive yourself, but just listening to his word.
Il dit ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Do not deceive yourself by false reasonings. Quand la parole sort, when the word come out, elle veut renverser les raisonnements humains. It wants to overthrow all human being thinking. Pour que cela soit possible, for it to be possible, il faut garder l'esprit en contact avec la parole qu'on a entendue. The spirit must be kept into contact with the word that I have been listened. Et c'est ce que les apôtres enseignaient. It's what the apostle used to teach. Dans Hébreux chapitre 2, in the book to Hebrews chapter 2. Voici ce que l'apôtre dit. This is what the apostle was saying. C'est pourquoi. That's why. Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. We must be attached to things that we have heard in the fear that we must be taken away of it. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, because if the word announced to angels has got some effect, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, and if any kind of disobedience has been rewarded, has been duly rewarded, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? How will we escape to this? How will we escape by neglecting this kind of salvation, which has first of all been announced by the Lord and which has been confirmed by those who listen to him? Il dit, vous devez rester attaché aux choses que vous avez entendues. He said you must remain attached to things that you have listened to, you have heard. Le but c'est quoi? The goal is afin what? Que personne ne soit éloigné de ce qu'il a appris. So that no one should be far away of what he learned. Dans Deutéronome, in the book to Deuteronomy, chapitre 4 verset 9. Chapter 4 verse 9. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Be on your guard. Make certain that you do not forget, as long as you live, what you have seen with your own eyes. Tell your children and your grandchildren. Amen. Dieu veut que la parole soit relue, visée. God étudiée. Wants the word to be reread, studied, revised. Et Watchman disait, and Watchman said, la vérité doit être révisée. Truth être must be revised retenue. And kept. Elle doit être étudiée pour être comprise. It must be studied to be understood. Tu dois relire plusieurs fois. You must read it many times. Pour retenir. To keep it. Alléluia. Amen. Et tu dois l'étudier. And you must study it. Pour comprendre. To understand. C'est ça qu'on appelle plonger le regard. It's what we call to look closely into the words. C'est pas jeter un coup d'œil. Jésus It's revient. Tu dis oh j'ai lu la Bible. Putting a glance at it and say Jesus is coming, but oh, I read the Bible. Tu plonges le regard. You look into. Oh, nous avions un prophète qui disait faut lire entre les lignes. You must read between the lines. Parce qu'il avait remarqué que les élèves commencent à traiter les devoirs sans même avoir lu. Quelqu'un jette un coup d'œil, il dit j'ai compris le sujet. Il écrit beaucoup. Because he have just remarked that students used to make the duty without reading the test. Il dit vraiment j'ai bien composé. Et il dit qu'il a bien composé. And he said that he has made well. Et au jour des résultats, and at the day of results, un,
One. Ça produit un grand choc. It produces a great shock. Et parfois, quand tu relis même and sometimes, le sujet, toi-même, tu comprends que tu as mal compris. When you read back the subject, you understand that you have made very wrong. Et il nous disait. And he used to say. Il était très fort. Il y a des professeurs qui sont très forts. He was very, very, very good. There are very good teachers. Il nous disait chaque sujet doit être lu pendant 5 minutes. He used to tell us that any subject should be read during 5 minutes. Comme il y a souvent trois sujets, dit tu ne lis pas, tu lis d'abord un pendant 5 minutes, tu ne lis pas l'autre, tu lis un. You read only one during 5 minutes. You don't read the rest. S'il ne t'inspire pas, tu prends le deuxième, tu lis pendant 5 minutes. If you cannot get it, you take the second one, you read during 5 minutes. Et dit après tu prends le troisième, tu lis pendant 5 minutes. And later you take the third one, you read during 5 minutes. Après tu choisis. And later you choose. Pour ne revenir sur le choix. So that you may not come back in on your choice. Quand je lis ce que le Seigneur nous demande. When I read what the Lord is asking me. Je comprends ça très bien. I understand it very il faut, well. Il faut comprendre ce que l'enseignement dit. You must understand what the teaching is about. Si tu as compris, if you get it, frère, il y a une bénédiction qui s'attache à la compréhension de la vérité. There is a blessing which is attached at the understanding of the truth. Le Seigneur dit que tous ceux qui n'ont pas compris, le diable vient voler tout. All those who has not get, the, who have not got the message, the thief, the devil come and take everything away. La parole semée n'est en sécurité que dans le cœur de l'homme, pas dans les oreilles. The soul word is into security only in the heart of man, not in the ears. C'est quand ça touche ton entendement. It's when it touch your understanding. Que personne ne peut voler. That no one cannot steal it. Vous verrez vous-même dans l'expérience que pour comprendre c'est pas facile. You will see yourself by experience that to understand is not easy. On peut te parler plusieurs fois. You can be spoken many times. Un jour, one day, tu cries, j'ai compris. You shout, I got it. Dès ce jour-là, from this day on, on ne peut plus voler ça. You cannot be robbed of anymore. Donc tu dois donc travailler jusqu'à ce que tu cries que je comprends maintenant. So you must work till you shout, I get it now. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ceux qui ne comprennent rien. People who don't get nothing. Même s'ils étaient là du premier jour au dernier jour. Even if they were there from the first to the last day. Venir garer son vécu et pour prendre les richesses chargées sans s'inquiéter. Il charge, il met là, et puis il transporte. The devil will come and park his car and collect all the riches. Mais quand c'est entré en toi, but if it's entered into que tu as compris, that you have understood it, le Seigneur dit que qu'on veille ou pas, que tu dormes ou que tu restes éveillé, ça va pousser, ça va porter des fruits. The Lord said that willing or not, sleeping or not, it will grow and bear fruit. Marc, chapitre 4, à partir chapter du verset 4, from verse 21 going. Il leur dit encore, apporte ton lampe pour la mettre sur le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Jesus continued, does anyone ever bring in a lamp and put it under a bowl or under a bed? Doesn't he put it on the lampstand? Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, ni rien de secret qui ne doit être mis au jour. Whatever is hidden will be brought out into the open, and whatever is covered up will be uncovered. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Listen then, if you have ears. Il leur dit encore. Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Il dit encore,
Il est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout entier, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Il dit, listen. Quand on écoute la parole, he said, when you listen to the word, et quand on a compris la parole, and that you understand it, que tu dormes ou que tu veilles, sleeping or not, nuit et jour, day or night, ce qu'on a semé va pousser. What has been sowed will grow, va germer, it will grow, et va grandir, va croître, and it will become big. Et puis, ça va produire, l'épi, ça va mûrir, et on va récolter. And it will be mature, and we will harvest on it. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quoi? What does it mean? Un enfant de Dieu peut décider qu'il va grandir. A child of God can grandir. Decide that he will grow, and he is going to grow. Tu prends l'enseignement. You take the teaching. Tu relis. You read again. Dès que l'enseignement habite ton entendement. As soon as the teaching dwells into your mind, même brother, si tu es faible, even if you are weak, il y aura le résultat. There will be results. Parce que la parole vient même pour résoudre les problèmes. Because the word comes to sort out issues. Il y a des paroles qui viennent pour fortifier. There are words. Il y a des paroles qui viennent pour guérir. There are words which come to heal. Il y a des paroles qui viennent pour délivrer. There are words which come to deliver. Il y a des paroles qui viennent pour donner la révélation. There are words which come to give the revelation. Et pour donner les mystères, pour expliquer les mystères. To explain the mysteries. Quand ces paroles, when those words, ne tombent pas dans le cœur, dans l'esprit de l'homme, do not fall into the heart, into the mind of man, et reste stérile, it remained buried. Parce que le cœur de l'homme, because the heart of man, c'est le champ, is the field, où on sème la parole, where the word is sowed. Quand la parole n'est pas tombée dans le cœur, when the word is not in the heart, has not fallen si into la parole the heart, trouve les soucis, les soucis, les rancunes, la peur, fears, la crainte de la consécration, and the fear for consecration. Si la parole trouve que le croyant ne veut pas aller loin avec Dieu, parce if the word found that the believer doesn't want to go far with God, si la parole trouve que le croyant a peur de perdre les relations dans sa famille, if the word found that the believer is scared of losing some relationship into his family, si la parole trouve que le croyant aime les choses faciles, that the believer loves easy things, il n'y aura pas de racines, there won't be roots, et la parole entendue ne va pas prospérer, and the listened word is not going to prosper. Pour amener donc le peuple entier à la bénédiction, so to lead the world people into the blessing, le Seigneur, l'Éternel a donné depuis l'Ancien Testament la règle générale sur laquelle Lord, nous devons travailler. The Eternal has given since the Old Testament the general rule on how we should walk. N'oublie pas ce que tu as entendu. Do not forget about what you have heard. N'oublie pas ce que tu as vu. Do not forget about what you have received. Même les témoignages que nous entendons. Even the testimonies that we understood, we listened to. Sorry. J'avais lu un témoignage. I read a testimony. Ce témoignage que j'avais lu m'avait déjà permis de délivrer deux personnes de la mort. This testimony had already allowed me to deliver two people from death. Et quelqu'un m'a dit qu'il a ressuscité quelqu'un parce qu'il s'était rappelé du témoignage que j'avais rendu. Someone told me that he resuscitated someone because he remembered the testimony that he heard days ago. Le témoignage que j'avais lu était le suivant.
The one I read was is this one. Un frère dit qu'il était mort. Un frère disait qu'il était mort. A brother said that he was dead. Lui, quand on meurt là, on ne sait pas. Les, so when ce you sont die, ceux qui pleurent, qui when you die, you don't know. Il dit que lui, dans son état, il allait quelque part. Il he allait. Said that in state, he was going somewhere. Et quelqu'un l'a appelé. And someone called him. Il a regardé derrière. Well, he looked back. Et il s'est réveillé, il trouve beaucoup de frères autour de lui qui prient. And when he woke, he found many brothers around him praying. Et on lui dit qu'il était mort. On lui rend son témoignage. And they told him that he was dead. He's been given his testimony. Un jour, one day, au cours d'une réunion de dirigeants comme celle-ci, during a meeting for leaders like this one, une sœur s'est levée pour aller aux toilettes. A sister went to the toilet. Elle est tombée. She fell down. Une sœur est venue m'appeler. Another sister came and called me. Je l'ai touchée, elle était déjà glacée. I touched her, she was already cold. J'ai observé, j'ai vu qu'elle respirait à peine. I checked and I saw that she was breathing. Et le témoignage que j'avais lu est venu dans ma pensée. And the testimony that I got came into my mind. J'ai dit, ah, elle est en train de partir. I said, she is going. J'ai dit, Indale Roseline, reviens. I said, sister, come back. J'ai dit ça deux fois. I said it two elle a times. Tremblé. She started shaking. Hallelujah. Amen. Un frère qui s'appelle Clément m'a entendu, il est venu en courant. Brother, another brother called Clément, he heard me and he came running. Quand la sœur avait tremblé, elle voulait maintenant se lever, elle se when lève she trembled, elle retombe. She wanted to stand up, but she fell. On demande à l'esprit, qui es-tu? We ask the spirit, who are you? Il dit la mort. He says death. On l'a jugé. We judge it. La sœur a vomi. She vomited. L'esprit est parti. And the spirit. Elle s'est levée. Went ça, away. C'est un témoignage and lu. She woke up. This is a rare testimony. Ce que nous gardons, what we keep, nous bénit toujours. It always bless us. Sinon, on allait commencer là au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Hey, otherwise, we will start in the name of Jesus. In the name of Jesus. Et il allait continuer son voyage. And he will go on his trip. Et entrer dans le séjour des morts définitivement. And when he will go to the death. The death place, it was over. Le but, the goal, c'est de garder ce qu'on a entendu. Is to keep what we have heard. C'est à partir de ce qu'on a retenu que Dieu produit souvent les révélations. It's from what we have kept that God sometimes produces revelations. Alléluia. Amen. Si tu oublies, if you forget, Dieu n'aura pas de matière. God will not have any material to produce revelation. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Et la parole dit, Dieu ne te donnera pas au-delà de ce que tu as reçu. And the word said that quand God tu écoutais, is not going to give you beyond what you received while you were listening to. Si c'est une réunion d'une heure de temps. If it is a meeting of 1 hour, que tu as dormi pendant 45 minutes, and that you slept during 45 minutes, et que tu as écouté pendant 15 minutes, and listen into 15 minutes, on mesurera chacun avec la mesure dont il s'est servi. Everyone will be measured with the measure that he used. Celui qui a dormi 45 minutes n'aura the pas one, ce que celui qui a gardé, écouté pendant une heure de temps aura. The one who slept during 45 minutes cannot get more than the one who heard and listened during 1 hour. Celui qui écoute pendant une heure, qui écrit deux lignes dans son cahier. The one who listened during 1 hour and only quote one sentence in his book n'aura pas ce que celui qui a écrit deux pages va retenir.
cannot have what the one who has written two pages can keep. Quand on va dire aux gens, allez travailler sur les messages. When we tell people, go and work on the message. Un grand intellectuel n'a écrit que deux lignes. A great intellectual, a great educated one, has written only two lines. Quand c'est comme ça, Dieu enlève ce que tu as. Les deux lignes là, il arrache et donne à celui qui a deux pages. When it's like that, God just take from you the two lines that you have written, and he give it to the one who has written two pages. Et il décide que tu ne seras jamais la tête. And he decides that you will never be a head. Quand tu as pris beaucoup et gardé. When you have collected a lot and kept. Quand Dieu va recruter le personnel, tu seras sur la liste. When God is going to hire personnel, you will be on the list. Parce qu'il sait que tu as beaucoup à partager. Because he knows that you have many to share. Les premiers seront les derniers. The first will be the last ones. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus. Alléluia. Amen. Nous allons finalement commencer. Ça c'est une we grande bénédiction. To finish the series of teaching that we have started. Que nous finissons l'année victorieusement. It is a great blessing that we end very well the year. Pour servir Dieu. To serve God. Nous l'avons vu. We saw it. Il faut le connaître. You must know him. Pour servir Dieu. To serve God. Il faut être son disciple. You must be his disciple. Nous avons bien expliqué le principe. We explain the principle very well. Pour servir Dieu. To serve God. Il faut être délivré des démons. You must be delivered from demons. Délivré de la puissance des ténèbres. Delivered from the power of darkness. Nous l'avons vu. We saw it. Nous avons vu que tout ce qui tente. We saw that all those who attempt de servir Dieu sans délivrance to serve God without any deliverance, ne vont pas loin. Don't go far. Frère, ils ne vont pas loin. Ils ne peuvent brother, pas aller don't loin. Go far. They cannot go far. Dans le plan de Dieu, in God's plan, Dieu avait décidé que ses enfants devraient être délivrés de tous les ennemis et marcher dans la sainteté tous les jours de leur vie et le God, servir. I decided that his children should be delivered and walk into holiness all the days of their lives. Nous avons vu que dans Ésaïe 61, le Seigneur annonce par l'esprit du prophète son plan de travail de rédemption. We saw that in Isaiah 65, God is announcing by the mouth of the prophet his plan of redemption. Il vient pour publier une année de grâce. He come and publish a year of grace. Il vient pour annoncer des bonnes nouvelles. He come and announce the good news. Il vient pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. He come and heal those who has the heart broken. Il vient pour libérer les captifs. He come to deliver the captives. Il vient pour rendre libres les opprimés. He come to get to set free the oppressed. Il vient pour enlever les vêtements de deuil et mettre des habits de joie. He come and remove the clothes des of sorrow. And put the cloth of feast. Enlever la cendre et mettre l'huile de joie. Remove the dust and put the oil of joy. Il vient pour faire de nous une plantation de Dieu. He come and make us a plantation of God. Pour servir à sa gloire. To serve at his glory. Il dit afin qu'on les appelle les térébintes de la justice. He says so that they call them the térébintes of righteousness. Donc il vient pour délivrer l'homme du péché. So he come to deliver man from sins. De Satan et de toute son armée. From Satan and all his army. De la mort. From death. Et de tout le séjour de mort. And all the places of death. Il vient pour donner la vie éternelle. He came to give eternal life. C'est un plan, ce que le frère Zach a appelé le salut total de l'homme. It is a plan which Brother Zach has called the total salvation of human beings.
Toi, disciple. You disciple. Si tu rencontres quelqu'un. If you meet someone. Qui fait l'orgueil que lui, il est pour l'évangile de prospérité. Dis-lui que toi, tu as tous les évangiles. If you want to say that he has the gospel of prosperity, you tell him that you have the whole gospel. Tu as l'évangile du salut total de l'homme. You have a gospel of a total salvation of man. La délivrance de la mort. Deliverance from death. La délivrance du séjour de mort. Le salut total de l'homme. The total salvation of humanity. Que personne ne vous trompe. Let no one deceive you. Il n'y a pas deux évangiles. There is no two gospels. Les autres. The others. Et ils ont leur père. And they have a father. Quand ils regardent l'évangile. When they look into the gospel. Ils cherchent là où il y a l'argent. They are looking to the place where there is money. Le chapitre de l'évangile où il y a l'argent. The chapter of the gospel where there is money. Le frère Antoine nous rendait témoignage. Brother Antoine gave us a testimony. Il était dans une église, he was dans into, une dénomination. He was in a denomination. Et il cherchait la volonté de Dieu. And he was looking for the will of God. Il ne God. Voulait plus marcher sans Dieu. He didn't want to walk anymore without God. Un jour, one day, il arrive tout joyeux. He arrived very joyful. Les gens rendaient témoignage. People were giving testimonies. Il se lève, il rend témoignage que son oncle est sauvé. He stood up and gave a testimony that his uncle is saved. Le pasteur se lève et dit que est-ce que ça c'est un témoignage? The pastor stood up and said, "Is this one a testimony?" Il dit, qui a un témoignage? Quelqu'un s'est levé. He said, "I want a powerful testimony. Someone wake up." Il a rendu témoignage d'une somme de 500,000 qu'il a reçu. Le pasteur dit, voilà un témoignage. Acclamez, les gens ont acclamé. He gave a testimony about a 500,000 that he got. And the pastor said, this is a testimony. People clapped. Antoine a dit, je quitte cette église. Dieu m'a parlé. Brother Antoine said, I will quit. I will leave this church. God has spoken to me. Parce qu'il cherchait, mais il a vu maintenant qu'il y a ceux qui cherchent l'argent et il y a ceux qui cherchent les âmes. Il est sorti jusqu'aujourd'hui. Il est devenu ancien parmi nous à la CMCI. Because he was really seeking. Hallelujah. Amen. Et puis il est prospère. And he is rich. Après ça, il a eu des difficultés. Il était avec nous. After that, he got some difficulties. He was with us. Dieu lui a dit, ne calme-toi, je vais te bénir. Tu vas réussir au concours de l'ENA. And the Lord told him, calm down, I will bless you and you will go into the administration school. Il a cru. He believed. Il a été admis. He passed the exam. Et il était parmi les sept premiers. He was among the seven first. On lui a dit, choisis ce que tu vas faire. Il dit, je vais aux impôts. They asked him, choose where, what you want to do. He said, I will go to the tax company. Il est parti travailler. Il est revenu à l'école. Il est déjà un inspecteur. Ce n'est pas la bénédiction. He worked and went back to school. Maintenant, il a ses oncles sont sauvés. Lui-même est... He is blessed. Now his uncle is saved. Un professionnel. He has a comme work. Les hachés. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça la bénédiction. It's not this blessing. Ça c'est le salut total. This is the total salvation. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus. Après la délivrance des démons, after the deliverance from demons, il faut être délivré du péché. You must be delivered from sin. Je dis bien du péché. I say very well sin. Quelqu'un va nous lire Romains chapitre 6 versets 1 à 7. Let someone read Romans chapter. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde?
Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car, oui. Car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Amen. Avant d'aller loin, retenez ceci. Before going far, keep that. On obtient la délivrance du péché. We get the deliverance from sin. Par la foi. By faith. Et par la consécration de notre vie à la vie de Jésus. And through the consecration of our life to the life of Jesus. On ne lutte pas. We don't fight. On ne jeûne pas. We don't fast. Tu peux prendre un jeûne de 7 jours pour être délivré du péché. À la fin du jeûne, tu pêches. You can take a fasting of 7 days to be delivered from the sin. After the fasting, you fall et into sin. Et même pendant le jeûne, tu vas pécher. And even during the fasting, you will sin. Écoutez très bien. Listen very carefully. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans nos péchés afin que la grâce abonde? What shall we say then? Should we continue to live in sin so that God's grace will increase? Il y a des gens qui pensent que un être humain ne peut pas être délivré du péché. There are people who think that a human being cannot be delivered from sin. Si bien que quand on est devant des textes bibliques qui demandent à l'homme d'arrêter de commettre le péché, il y a une sorte de confusion générale. So that when we are facing a biblical test which is requesting human being to forsake sins, there is troubles. Certains ont fini par conclure que vraiment comme c'est difficile, Dieu aura pitié de nous, la grâce seule va nous suffire, on ne peut rien faire. Some have just ended by concluding that God knows what we are, God is good, so we cannot do anything. Le texte que nous sommes en train de lire dit que il ne faut pas penser de la sorte. The message we are reading is saying that we should not believe that way. Il faut abandonner le péché. We must forsake sins. Donc le combat contre le péché se situe à deux niveaux. So the battle against sins is at two levels. Le premier niveau, the first level, c'est que tu te repentes des péchés que tu commets. Is that you repent from the sins that you commit. Comme des actes d'immoralité. Like immoralities. Comme des actes de mal. Like bad deeds. Des vices. Like bad deeds. Comme le vol. Like stealing. Comme le mensonge. Like liars. Comme l'adultère. Like adultery. Ça, ce sont des œuvres de la chair. Ce sont there des actes abominables. The works of the flesh. Mais le péché. But the sin. Comme principe du mal. Like a principle of bad. Est une puissance. Is a power. Que Jésus a combattu et détruite. That Jesus has fought against and destroyed. Et le croyant entre dans la victoire de Jésus.
And the believer enter the victory of Jesus. Pour expérimenter la victoire sur le principe du mal qu'on appelle le péché, pas les péchés, le péché. To experience the victory on the principle of evil, which is called the sin. C'est le principe du péché qui amène les gens à mentir, à voler, à lutter, à commettre tous les péchés que vous connaissez. It is the principle of evil which lead people to lie, to steal and commit all kind of bad deeds that you know. Hallelujah. Amen. Il dit, nous qui sommes morts au péché, nous ne pouvons plus vivre dans le péché. He said, certainly not, we have died to sin, how then can we go on living in it? C'est-à-dire que nous qui sommes morts au péché, nous ne pouvons plus vivre dans le péché. He said that we who are dead to sins, we cannot commit it anymore. We cannot live into sins anymore. Il y a une formule pour amener les hommes à la délivrance du péché. There is a formula to lead people to the deliverance of sin. C'est que Jésus est mort à la croix. Is that Jesus died on the cross? Le péché a besoin des corps vivants pour les manipuler, sin, pour les utiliser. Sin needs a living body to move it. Si bien que quand on est mort, in a way that when you are dead, le péché n'a plus de puissance sur nous. The power, the sin has no more power on us. Est-ce que vous me suivez très bien? Can you get me very well? Donc, le croyant s'approprie donc la victoire du Seigneur sur le péché. So, the believer makes his own the victory of Jesus on the sin. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. He says, for sure you know that when we were baptized into union with Christ, Jesus, we were baptized into union with his death. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. We were buried with him and shared his death by our baptism. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. In order that just as Christ was raised from death by the glorious power of the Father, so also we might live a new life. Nous nous sommes identifiés à Christ par notre foi. We have been identified to Christ by our faith. Et la mort de Jésus, and the death of Jesus, est notre mort, is our own death. Et la mort de Jésus, and the death of Jesus, donne la puissance à chaque croyant, gives the power to each believer, sur la puissance du péché. On the power of sin. Hallelujah. Amen. Donc vous notez, par la foi, so le croyant doit se regarder comme ressuscité avec Christ. By faith, the believer must look himself like raised from death with Jesus. Écoutez, c'est un principe de la foi. Listen, this is a principle of faith. Dit au nom de Jésus, say in the name of Jesus, je me regarde, I look myself, comme mort avec Jésus, as comme enterré avec Jésus, and buried with Jesus, comme ressuscité avec Jésus, as raised from death with Jesus. Qui croit ça? Tant qu'ils vont sortir d'ici délivrés pour toujours. There are people who will go home delivered forever. En tout cas, Jésus n'est pas venu pour les justes. Si tu étais juste, va te coucher à la maison. Jesus has not come for the righteous ones. On prépare le flacalé, on te donne, tu manges. If you are a righteous one, go home. Si tu as péché, if you have sinned, si tu veux être pardonné, if you want to be forgiven, tu crois, you believe, que Dieu est tellement bon, that God is so good, que si tu lui demandes pardon, that if you beg his pardon, au nom de son fils Jésus, in the name of his son Jesus, quel que soit les péchés que tu as commis, no matter the sins you committed, tu seras pardonné, you will be forgiven. Si tu as cru à ça, if you have believed into that, acclame pour toi-même, clap for yourself. Alléluia.
Si tu as cru à ça, if you are believing to that, tu es sauvé. You are saved. Maintenant, ton problème, c'est que tu veux servir Jésus. Right now, your problem is you want to serve Jesus. Tu as obtenu le pardon. You have obtained forgiveness. Mais le principe qui t'a fait mentir avant là, c'est encore là. But the principle that make you lied in the past c'est is une puissance, still on. Une puissance. It's a power qui est dans l'homme, qui habite chaque homme. Which dwells in everyone. Écoute ce que la Bible dit. Listen what the Bible says. La Bible dit que Jésus est mort. The Bible says that Jesus Christ died pour réduire cette puissance en impuissance. To reduce this power into no power. Donc Jésus te sollicite maintenant pour une autre foi, c'est-à-dire pour une autre croyance en lui. So Jesus is calling you upon a new believing belief. Tu as déjà cru pour tu as obtenu le pardon. You have already obtained the forgiveness. Maintenant Jésus veut que tu croies pour obtenir la délivrance du péché. Jesus wants you right now to believe to obtain the deliverance from sins. Beaucoup sont déjà entrés dans cette expérience. Many have already experienced that. Alléluia. Amen. Lis-nous rapidement Romains chapitre 6 verset 11 au verset 13. Si vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. So far as sin is concerned, but living in fellowship with God through Jesus Christ, sin must no longer rule in your mortal body so that you obey the desires of your natural self, nor must you surrender any part of yourselves to sin to be used for wicked purposes. Instead, give yourselves to God as those who have been brought from death to life and surrender your whole being to Him to be used for righteous purposes. Amen. Amen. Dans le chapitre 6, in the chapter 6, du verset 1 au verset 7, from verse 1 to 7, il est dit au verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous, chacun doit réciter ce verset-là. Notre vieil homme, our old being, a été crucifié, has been crucified, avec Jésus, with Jesus, afin que le corps du péché soit réduit so à l'impuissance, the body of sins should be set to unpower, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, so that we may not be anymore slaves of sins. Quand on parle de croire en Jésus, when we are saying believing into Jesus, c'est pas un jeu de mots. It is not a play or a quand joke. Jésus était à la croix, when Jesus was at the cross, quand on a crucifié Jésus, when he has been crucified, Dieu a mis toute l'humanité en Jésus. God has put tous les hommes, all human beings into Jesus. Avant même ta naissance, even before your birth, Dieu a posé les fondements pour ton, pour ta délivrance. God has laid foundation of your deliverance. Le vieil homme, the old being, a été réduit à l'impuissance, has been set unpowerful, à travers la crucifixion du Seigneur Jésus à la croix du calvaire. Through the crucifixion of the Lord Jesus Christ, maintenant, at the cross of Calvary, now, chaque croyant,
each believer doit se regarder, doit must se look regarder, himself, must look himself. C'est-à-dire doit se considérer. We mean to consider himself comme crucifié avec Jésus. As died with Jesus. Or, tous ceux qui sont crucifiés avec Jésus, while all those who have died with Jesus, leur vieil homme a été réduit à l'impuissance. Their old being has been set into no power. Ils n'ont plus la puissance pour pécher. They have no more the power to commit sins. Le principe du mal qui les poussait sans résistance. The principle of evil who used to push them towards sins is broken. Ils doivent croire à ça. They must believe that. Tu es mort au péché. You are dead into sins. Si tu crois ça, tu es déjà délivré. If you believe that, you are already delivered. Si ton problème était les femmes, tu verras que les femmes passent, tu es normal. If your problem was ladies, les mêmes you will femmes. See that the same will pass and you have no trouble. Si ton problème était les hommes, tu verras que les mêmes hommes passent, tu es équilibré dans ta tête. If your problem dans was ton men, cœur fort. You will see that you can see the same men and you are balanced in your heart, very strong. Tu ne sauras plus si la bière est amère ou sucrée. Tu ne sauras plus. You will no longer know if beer is sugared or bitter. Alléluia. Amen. Pourquoi? Why? Tu as cru en ta mort. You have believed into your death. Et en ta résurrection en Christ. And into your rising from death. Tu n'as pas cru à la mort de Jésus et à la résurrection de Jésus. You have not believed into the death of Jesus and into his rising from death. Écoutez-moi très bien. Listen to me very carefully. On est délivré du péché. We are delivered from sin. Quand on croit en sa mort, when en we sa believe propre mort, into our own death, avec Jésus, with Jesus, et en sa propre résurrection avec and Jésus, into our own rising from death, quand tu es tenté, with Jesus. Tu dis à Satan, moi j'étais à la croix avec Jésus. You say, I was at the cross with Jesus. Mon vieil homme a été détruit. My old being has been destroyed. Je suis entré dans la terre avec Jésus. I enter into the ground with Et je Jesus. Suis sorti victorieux. And I get out victoriously. Et tu te regardes comme ça. Tu ne parles pas seulement. Tu te considères comme ça. You look yourself like that. You don't speak only. You consider yourself. As such, le second acte après ça, the second act after that, c'est de décider désormais comment tes membres vont fonctionner sur la terre. Is to decide how your members will work on earth. Tu dis, je les consacre à Jésus. You say, I will consecrate them to Jesus. Et de consacrer dans vos membres comme des instruments de la justice. He said that consecrate your members as instruments of righteousness. La consécration, c'est la concrétisation de ta délivrance du péché. Consecration is the confirmation of your deliverance from sins. Quand tu sens dans ton cœur, when you feel into your heart, que tu ne veux pas te donner à Jésus, c'est que tu n'es pas encore délivré du péché. That you don't want to give yourself to Jesus, it means that you are not delivered from sin yet. Quand ta vie n'est pas identifiée à la vie de Jésus, tu n'es pas encore délivré du péché. Et même si tu confesses que tu aimes Jésus, tu es mort avec ça ne va and rien donner. Even if you confess that you love Jesus and you have died with him, tu dis ma bouche, it won't bring nothing. Va prêcher l'évangile. You say my mouth is going to preach Mes pieds to preach the gospel, vont my marcher feet, pour l'évangile. My foot are going to walk for Mes the gospel. Mains my hands vont servir l'évangile. Will serve the gospel. Hallelujah. Amen. Quand tu es touché, tu es vraiment touché. When you are touched, when you are moved, you are really moved. Tu es mort au péché. You have died into sins.
Crois comme je parle là, tu es en train d'être délivré. Believe like I was, I am speaking. Il n'y a pas d'intercession à faire. There's no prayers to do. Il n'y a pas de jeûne à prendre. There's no fasting to go through. Les prédicateurs de Jésus, the preachers of Jesus, doivent être des hommes délivrés du péché. Must be men who are delivered from sin. Des hommes au péché pardonnés. People whose sins has been forgiven. Et des gens délivrés du péché. And people delivered from sins. Des gens au péché pardonnés. People with forgiven sins. Et des gens délivrés du péché. And people delivered from the sin. Romains 2 verset 1 à 16. Romans 2 verse 1 to 16. Que chacun peut lire à la maison. Let everyone read it at home. Parce qu'il amplifie l'interrogation qui est dans Galates chapitre 2 verset 17. Because it amplifies the interrogation which is in the book to Galatians chapter 2 verse 17. Qui établit que aucun serviteur de Dieu ne devrait vivre dans le péché. Which settled that no servant of God should live into sins. La nouvelle vie, the new life, me rend capable de servir Dieu. Make me able to serve God. Je ne peux plus me battre avec les gens. I cannot fight anymore with people. Je n'ai plus le corps de bagarreur. I don't have the member or the body of the quarreler. Je n'ai plus la bouche du menteur. I still don't have the mouth of liars. Je suis une nouvelle personne. I am a new person. Et ce que tu crois, and what you believe, tu le deviens. You become it. Et on dit mais il a changé. And you are said he has changed. Quand tu dors, when you sleep, quand tu te réveilles, when you wake up, tes pensées sont portées vers le bien. Your thought I led to sont portées vers la justice, vers le bien. I led to righteousness and good. Tu ne fais pas comme les bouddhistes, il faut pas que je voie les femmes. Ou bien comme les you don't les do like Buddhists turbanés. And people with veiled face. Pour ne pas voir le monde et pécher. So that they don't see the world of sins. Mais toi, tu regardes le monde. But you look at the world. Mais tu ne pèches pas. And you do not commit sins. Acclamons pour Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Va en paix. Go in peace.